L'équipe, pour l'instant, il y a des vous. Donc, je vais faire un match OM-OL, j'en ai demain soir à 21h. Alors, pour le compte de la 15 journée de Ligue 1, alors, comme c'est un match en retard, comme vous le savez, je ne sais pas si vous revenir sur la journée qui devait avoir lieu, c'est-à-dire un début de championnat, ou est-ce que ça va compter pour la 15 journée de Ligue 1. Et je pense que ça compte très bien pour la 15 journée de Ligue 1 à voir. Donc, voilà. Donc le match se jouera bien à l'Angelodrome demain soir à 21h. Si l'OM veut continuer leur belle série, il faut donc s'imposer demain soir face à Lyon. Normalement, on est meilleur que Lyon. Mais voilà, comme je l'ai dit hier pour les briefs Rennes, il faut s'en méfier de cette équipe, car elle fait douter un peu les adversaires. Mais normalement, on devrait gagner. Voilà. Donc, après leur victoire face à Rennes 2 à 0, en cas de victoire, l'OM pourrait remonter au classement. Donc voilà, on est 9e à l'heure actuelle. Si tu gagnes demain face à Lyon, tu peux encore remonter au classement. Voilà. Et si l'OM gagne, ça fera déjà sa 3e victoire consécutive, toutes compétitions confondues, et ça ferait que du bien même pour ton nom. Donc voilà, c'est un match important. Même si bon, c'est que Lyon est son dernier, d'où ils vont vouloir jouer. À nous de ne pas tomber dans le piège, hein, comme on dit, car ce sont souvent des matchs pièges. On a tendance à relancer les équipes en difficulté. Hein, ne pas oublier cette stat. L'OM a tendance à relancer les équipes en difficulté. Donc voilà. Mais en espérant que ça ne se reproduise pas. Voilà. On verra bien ça demain soir. Voilà. Passons au joueur sorbier côté deux équipes. Côté Olympien. Pas de changement, je vais mettre Pierre-Emerick Aubameyang qui s'est bien mis en confiance après son triplé face à l'Ajax et son but face à Rennes. Je le vois bien buter encore demain soir. S'il marque encore demain soir un doublé ou un triplé, on peut dire que sa saison est lancée. Voilà, mais à condition de bien jouer et bien sûr de marquer. Donc voilà, je vous mets Aubameyang pour le joueur sorbier côté Marseillais. Côté lyonnais, il y a un joueur que j'ai pas mal souligné et qui aide un peu son équipe lyonnaise, c'est O'Brien, je sais pas comment on le dit. O'Brien, qui a jamais de but avec Lyon, il avait donné la victoire face à Rennes chez eux et il a marqué contre Lens, je crois, si je dis pas de conneries. Voilà. Voilà, attention à lui parce qu'il marque beaucoup en ce moment avec Lyon et voilà, il faudra se méfier de ce joueur. Ensuite, mon pronostic. Alors, mon pronostic, je vois bien un petit 3-0 pour l'OM. Ouais, 3-0 pour l'OM. Bon, désolé hein, pour le manque de respect des joueurs envers les Lyonnais, mais quand on voit Lyon en ce moment, ça va pas du tout. Toi, ça, tu commences à aller un peu mieux. T'es chez toi, le 23 ça, guichet fermé, tu te dois de mettre un gros score face à une équipe faible de Lyon. Voilà. Tout va bien, un petit 3-0 pour l'OM, ça ferait que du bien, ça nous fait remonter au classement, ce que j'espère de tout cœur. Donc voilà, les gars, il n'y a pas d'arrangement. On reste 4 victoires en 12 matchs en Ligue 1, en comptant les victoires contre Rennes. 4 victoires en 14 journées maintenant. Il n'y a pas d'arrangement, les gars. C'est pas on prend un nul, non, c'est victoire. Maintenant, on veut que des victoires. On l'a vu hier que hier. On l'a vu dimanche que vous pouvez faire. Donc il n'y a pas de raison que demain, on n'y arrive pas. Voilà, surtout face à Lyon. Les gars, gagnez ce match, hein, avec la manière, si vous pouvez. Et voilà, on n'en parle plus. Parce qu'il faut quand même pas oublier que l'OM, c'est tout ou rien. Hein. C'est très stagiaire cette saison, malheureusement c'est ça. On peut briller 4-5 journées et après s'écrouler sans aucun justificatif, quoi. Voilà. Et bon, normalement, on est chez nous. On va pas s'écrouler chez nous. Normalement, on peut regagner facilement. Et voilà. À voir. Dites-moi dans les commentaires que tu sois supporter l'OM ou supporter lyonnais. Je te laisse commenter. Et dis-moi qui va remporter ce match. Est-ce que Lyon peut remporter ce match parce que ce n'est pas possible pour eux s'ils jouent bien? Ou est-ce que l'OM va regagner? Voilà, n'hésitez pas à commenter dans les commentaires. En tout cas, j'ai hâte de voir ce match.
hein, parce que ce match qui était annulé à cause des incidents. C'est enfin l'heure, voilà, demain c'est enfin l'heure, il n'y aura pas de supporters lyonnais, hein, ils sont en déplacement. C'est enfin l'heure, voilà. On regarde nos comptes sur le terrain et en espérant remporter ces 3 points. Donc voilà, c'est la fin de cet avant-match. Si vous avez aimé la vidéo, ça peut être un pouce bleu, à vous abonner à la cloche, commenter, partager, je vous dis ciao et allez l'autre.